chacun de leur côté pour respirer en liberté et reprendre haleine. Moi je peux pas me payer les bains de mer pour mes tirons, je prends le chemin de fer et je vais respirer un bol d'air au mois de Marseille. La guerre de Macossac, y a quelques rentiers autour du lac qui promènent leur mal d'estomac et leur bedaine. Mais quand arrive la belle saison, y a des ouvriers à foison qui viennent se les caler sur le gazon. Au bois de Marseille. Quand ils sont partis, on trouve des coups de poulet rôtis, des restes de dessert assortis et de porcelaine. Des boîtes à sardines, des litrons vides ou cassés, des bouts de citron, des petits journaux et des étrons. Au bois de Marseille. À travers les trognons de choux, on voit des grands canonniers roux et le tout petit tourlourou qu'ont rien de la peine. Car avec des airs triomphants, ils vont avec les bonnes enfants dans les petits coins s'asseoir dedans. Au bois de Marseille. Après, sous les massifs, c'est les puretins des sportifs qui se glissent avec des airs craintifs dans la garenne. Les pauvres gueux sans feu ni lieu qui trouvent de quoi se faire un bon vieux sous l'œil caressant du bon Dieu. Au bois de Marseille.